Oh, mes enfants, regardez, le ciel se couvre. Il y a d'énormes nuages. Un gros orage se prépare. Aussi, je vais aller très vite chez l'oncle Jérôme avant l'averse. Tout compte fait, je préfère vous laisser seul ici quelques instants. N'est-ce pas? Vous allez être sage. Installez-vous là. Voici deux boîtes de peinture, des gobelets, des crayons, des feuilles de papier, enfin tout ce qu'il faut pour faire de beaux dessins. Oh, chic alors, quelle chance! Oh, chic alors! Que je suis content, maman! Moi, je voulais quand même aller chez l'oncle Jérôme. Et puis, j'ai plus de rouge dans ma boîte, alors. Il est tout usé. Je te prêterai le mien. Allez, viens. Surtout, soyez très sages, mes chéris. Je serai vite revenue. Et n'oubliez pas, vous devez faire de très beaux dessins. Au revoir. Au revoir, maman. Moi, eh ben, je vais faire une maison. Et moi, un avion. La voilà, elle est faite, ma maison. Maintenant, je vais la peindre avec du marron. Oh, oh, ça déborde. Oh, ma maison, on dirait une pomme de terre. Elle est pas jolie, ma maison. Tiens, voilà du rouge. Mets-en un peu sur le toit, ça sera plus joli. Le rouge, ça fait pas joli. Eh bien, dessine autour des petites fleurs et de l'herbe pour l'arranger. Bon. Comme ça, tu vois, là, des fleurs jaunes, de l'herbe, un arbre. Voilà, maintenant, c'est une très belle maison avec un grand jardin. Voyons ton avion. Oh, il est plus beau que ma maison. Mais non, voyons, les ailes sont de travers et il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Oui, oui, mais ton avion, il est bleu, ton avion, et ma maison, elle est pas bleue, ma maison, alors.